Bonjour, mes amis de première année. Nous allons commencer avec le message de la journée. Ça dit bonjour, mes amis. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 28 mai, le 166e jour d'école. Hier, c'était mercredi et demain, ça sera vendredi. Aujourd'hui, vous allez faire un travail d'écriture. Donc, si tu regardes dans Google Classroom, vous allez trouver le travail. Vous pouvez lire et écouter à des livres sur le site Lecture Enfant. Et vous pouvez aussi lire et écouter aux livres dans le site Booklily aussi. Vous pouvez aussi compléter des activités d'art, de musique, de drame et de santé ou d'éducation. Continuez l'excellent travail, mes amis. Gros bisous, Madame Ross. Donc, rigolons ensemble. The joke of the day is, why did the girl throw the butter outside? Okay, so I'll repeat the question and then I'll listen to see what you think. Why did the girl throw the butter outside? Okay, you ready? It says, why did the girl throw the butter outside? Because she wanted to see a butterfly. It's good, right? La question de la journée est celle-ci. Quelle est ton histoire préférée? What's your favorite story? Quelle est ton histoire préférée? Donc, tu peux dire « mon histoire préférée est » et là, tu vas me donner le titre. Et c'est possible, les amis, que le titre, c'est un titre en anglais parce que tu lis des livres en anglais. Donc, vous vous rappelez dans la classe, mes amis, quand nous avons lu l'histoire « a story with no pictures » and I had read the story and it makes you do and say funny things. C'est ça mon histoire préférée. Donc, mon histoire préférée est « The Book with No Pictures ». OK? Donc, pensez-y, quelle est ton histoire préférée? Et ensuite, je vais poser la question. Donc, quand je pose la question, je vais écouter et vous allez répondre « Mon histoire préférée est ». On est prêts, les amis? Quelle est ton histoire préférée? Ça, c'est excellent, mes amis. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se reverra demain. Au revoir, mes amis.